Un deuxième match de poule, mon cher Pierre, qu'il va falloir bien négocier. C'est un match capital, un match charnière au cœur de ce mini-championnat. Au programme aujourd'hui, l'Écosse face à la France. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui, Hervé, on va suivre cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui. En règle générale, ça donne du bon spectacle. On va bien voir. Thank you. Enjoy the game. C'est le coup d'envoi de ce match, comptant pour la deuxième journée de ce groupe. Oui, après une première journée plutôt intéressante, ça va encore monter en puissance là au fil des matchs. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale, alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. On aura une pensée pour les défenseurs latéraux qui vont non seulement devoir faire le métier sur les ailes, soutenir les milieux et même proposer des solutions aux attaquants. Alors il va falloir 18 poumons chacun, quoi. À quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Raphaël Varane. On va voir évoluer avec beaucoup d'attention aujourd'hui qu'il fait quand même. Les joueurs adverses savent qu'il est très rapide, balle au pied. Sur quelques mètres, il peut vous dire au revoir. N'Golo Kanté. Ils construisent, ils font tourner. C'est dégagé. Nabil Fekir, Kanté, Paul Pogba, Torres, Thomas Lemar, Ryan Jack. Ah, il trouve finalement la touche. Nabil Fekir, Pogba, Fekir. Et l'équipe de France qui obtient un corner. Le corner, le tir. Le corner là-bas. Et Marie. Un dégagement miraculeux. Ah, c'est bien défendu quand même. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Paul Pogba. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile, il est à l'interception. Oh, la faute, oui, pas correcte ce tacle, et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Ah oui, jaune, carton jaune. Ouais, là, il a grillé tous ses jokers. Nabil Fekir. Ryan Jack. Blake Griffiths. Et Smith. Ryan Jack, le tir. Nabil Fekir, Paul Pogba. N'Golo Kanté. Lemar. Attention, il peut centrer là. Il choisit la frappe. Occasion de prendre l'avantage. Bon, attention, c'est pas fini. Le ballon qui est dégagé, ce sera un corner. Le corner, le ballon qui... Aymeric Laporte. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Thomas Lemar. Aucun problème pour le gardien, qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon. Pogba. Raphaël Varane. Tom Kearney. Ryan Jack. Et Smith. Ouais, il n'avait pas le choix, il fallait vraiment qu'il revienne. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. La défense qui maîtrise la situation. Kanté. Laporte. Kingsley Coman. Allez, dans le couloir. Thomas Lemar.
Paul Pogba. Torres. Et la voilà, la frappe. Attention, corner. L'occasion de prendre l'avantage peut-être. Attention à ce corner après une belle séquence de domination. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Très mal donné hein, ce ballon. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match, où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. Après 45 minutes de jeu, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la performance de Kingsley Coman? Moi, je trouve qu'il a été transparent, hein. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en grande période, il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. Allez, c'est reparti dans ce deuxième match de groupe. Ouais, je pense qu'on va avoir droit à un beau match. Hein. C'est déjà pas mal en première période, donc on va espérer que ça progresse même. Paul Pogba. Kanté. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ouais, bien défendu, le ballon qui est sorti en touche. Ce sera un coup franc pour l'Écosse. Ah, la bonne qualité de ses passes. Nabil Fekir. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Ah, ce serait pas mal, oui. Karim Tierney. Ah, ça part très loin avec ce dégagement. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Thomas Lemar. Pogba. Nabil Fekir. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Fekir. Ah, ça joue physique. Hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Pogba. Fekir. Le ballon qui est en corner au bénéfice de l'équipe de France. Le corner en direction du point de pénalty. Et non, un manque de précision sur cette frappe. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Il lui rend, première intention, la frappe. Ryan Jack. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Torres. Thomas Lemar. Allez, il a du champ. Il prend sa chance. Oh, le but, l'ouverture du score, amplement mérité. Ouais, elle est méritée pour cette équipe et on a cru qu'elle ne viendrait jamais. Maintenant, il faut tenir. Un but, somme toute, assez logique, hein, Pierre. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Elle a pris le match par le bon bout, donc forcément, ça paye. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ce joueur qui sort après avoir livré un très grand match. Hein. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. Allez, ce sont donc les Français qui mènent au score dans ce match. Mbappé, Thomas Lemar, Nabil Fekir, N'Golo Kanté. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. L'ambiance qui monte, le public pousse pour que cette équipe égalise. Tolisso, Torres, Lemar.
Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Ouais, changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat. Attention à la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Allez, 9 minutes, il ne reste que 9 minutes à jouer. Callum McGregor. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Thomas Lemar. Ah, il se trouve bien dans ce match. Hein. Ouais, les enchaînements sont bons, ça tourne bien. Il y a de la disponibilité, c'est parfait. Ouais, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Le public qui sent bien hein, qu'il a un rôle à jouer dans cette rencontre. On refuse de voir son équipe perdre, c'est bien normal dans les tribunes ou sur le terrain. Et faut tout donner jusqu'au bout. Mendy. Tolisso. Kanté. Nabil Fekir. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. La dernière minute avant le temps additionnel. Non, on a compris l'intention, mais c'est un indien. Voilà, c'est fait. La fin du match et la belle victoire pour l'équipe de France. Un match parfaitement négocié par cette équipe qui s'impose. On a eu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Never stop.